Eh bien, salut tout le monde, c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Sly Cooper et une nouvelle vidéo. Ça doit faire une semaine à peu près que vous n'avez pas eu de vidéo, mais moi ça fait beaucoup plus que j'ai pas joué, j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, je suis de retour, entre guillemets. J'avais plus la motivation de faire des vidéos, j'avais plus le temps non plus. Et voilà, j'attendais l'envie de que l'envie me revienne. Et donc ça y est, on va commencer l'épisode 5 de Sly Cooper pour l'épisode je ne sais plus combien du coup du Let's Play. Mais bon, ça c'est pas grave. L'heure de la revanche a sonné. La comtesse, qui nous a échappé à la prison, est maintenant bien cachée dans son château. C'est un bâtiment gothique et fortifié, qui glacerait d'effroi n'importe quel voleur. Et c'est là que nous nous dirigeons. Ce qui nous motive, c'est que la comtesse, ancien membre secret du redoutable gang de Clow, est en possession des yeux de Clockwork. D'après le Volus Ratenus, ces derniers pourraient tuer net tout adversaire en les figeant sur place. Pas la peine d'être un génie pour imaginer ce qu'une grande hypnotiseuse pourrait faire avec de telles armes. Interpol a eu vent de la double vie de la comtesse. Le sergent Nella, la plus impliquée dans l'affaire, a obtenu une subvention pour engager une armée de mercenaires locaux. On se dirige tout droit vers une guerre ouverte. C'est pourquoi nous devons agir vite, avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Yeah! Et ce chapitre, c'est ce chapitre que j'aime un peu moins. Mais il complète celui d'avant en fait. Mais bon, je suis moins fan. Mais il est bien, mais je suis moins fan. Alors, bah on va prendre Sly. Putain, je pensais que Benclay allait nous parler. Donc voyez, donc là, il y a des tanks. Donc en gros, cette partie de la ville ici, cette partie du après le pont, c'est le camp de Nella. Et de l'autre partie, c'est les camps de la comtesse. Vous verrez de toute façon, mais voilà, je vous explique un peu en avance parce que bon, je suis comme ça. Mais... D'abord, prends des photos de reconnaissance des environs. Puis, grimpe dans la tour de rééducation. C'est un joli nom. Oh, évite les tanks. Ça me ferait de la peine de te ramasser à la petite cuillère. Tu m'étonnes. Donc, comme d'hab, les photos en début de chapitre, c'est un bateau qui part là. Donc... Alors attendez. Faut que je monte sur le bateau ou faut juste que je prenne le bateau? Oula, d'accord, faut que je me réhabitue au binocope du coup, vu que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué. La photo est dégueulasse. Il se sert de ces bateaux pour patrouiller contre l'armée de Nella. Il pourrait peut-être nous être utile. Ok. Hop, la prochaine photo. Ah, ici. Eh ! Donc là, la porte de Nella. Oh, je suis pas bien placé. N'importe quoi. Ah, oh, je crois que dans ce niveau-là, là, trouver les 30 bouteilles, c'est chiant. Nella a transformé cette ancienne banque en QG. C'est une zone très bien protégée. Ça va être dur de l'en faire sortir. Ok. Et là-bas. Ah, le dirigeable. Non. Oh, c'est trop juste. Oh. Ok, vite le dirigeable. Oh, je me suis trompé de touche. Ah non. Pourquoi il m'a enlevé? Le dirigeable avec lequel la comtesse a fui de la prison. Il pourrait peut-être nous servir à survoler ces tours gigantesques. Ben oui. Alors oui, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, à la fin du dernier épisode, mais du chapitre aussi du jeu, la comtesse avait réussi à s'évader, entre guillemets, de sa propre prison, à nous échapper. Et du coup, on l'a pourchassé jusqu'ici. C'est le tank qu'il faut que je prenne en photo? Attendez. Ah, il est là. Ah, bonjour. Oh, connard! Faut que je reprenne tout en photo? Ah non. Ok, alors attendez, on va prendre un raccourci. Hey! Mais attends, c'est téléguidé leur truc ou quoi? Oh non. Oh mais j'en ai marre de me faire frapper. Putain. D'accord, le raccourci qui finalement ne l'est pas. Hein, parce que j'ai perdu plus de temps qu'autre chose.
Hop, c'est lequel tank? C'est celui-là. La comtesse est drôlement bien équipée pour une guerre. C'est bien notre veine. Ok, Sly. Va dans la tour de rééducation. Mais non, mais... Oh là là! Mais c'est quoi cet épisode aujourd'hui? Je me fais défoncer de tous les côtés. Bon, on va aller à la tour. J'espère que ce sera tranquille. Oh putain. Ah, ici, de toute façon, je me fais toujours repérer à peu près. Il a un trésor, lui. Attends, 2 secondes. Une petite pierre. La tour, il faut monter là-haut. Attendez, parce qu'il faut que je reprenne un peu les lieux en tête. Je ne sais plus du tout comment on monte. Genre par là, après. C'est où la tour? C'est là, là? Je suis perdu. Parfait! Encore plus d'argent! Ouf, j'ai cru que j'allais tomber avec. Dans cet épisode, on aura besoin de pas mal d'argent. Parce qu'il va falloir que j'achète une compétence qui va changer ma vie, vous allez voir. Oh, arrête tes conneries, toi. Si tu me tires dessus... Connard! Oh, l'enfoiré. Donc, comme je disais, la compétence qu'on va devoir acheter va me changer la vie. Vous allez voir. Et elle sera présente ensuite dans tous les Sly Cooper. Et ça, c'est cool. Et vous allez voir que dès que je vais l'avoir, j'aurai tout le temps le réflexe de l'utiliser, quoi. Débrouille-toi pour faire le tour jusqu'à la fenêtre de la tour. Parce que depuis le début du jeu, j'ai le réflexe de l'utiliser, mais vu que je l'ai pas, ça marche pas. Donc vous le voyez pas, mais après vous allez voir que je vais faire que ça, quoi. C'est un vieux réflexe après. Bonjour. Bentley, il n'y a pas que les yeux de Clockwork ici. Pourquoi faites-vous ça? Nella, c'est un complot! Je suis un flic honnête. Mais je le sais bien. J'ai lu votre profil psychologique, qui le confirme. Alors pourquoi faites-vous ça? Car justement, vous êtes honnête. En fait, en poursuivant Sly Cooper, vous en avez appris trop sur le gang de Klao et son trafic d'épices. Il ne vous aurait pas fallu longtemps pour vous apercevoir de mon rôle dans cette affaire. C'est pourquoi je vous ai mis sous les verrous dès que j'en ai eu l'occasion. Vermine! Vous êtes une honte pour Interpol! Je jure sur ma vie que je me vengerai! Oh, malheureusement, j'ai bien peur que votre vie ne dure plus guère longtemps, très cher. Quand j'aurai placé les yeux de Clockwork dans cet appareil, votre vie sera alors entre mes mains. Vous ne réussirez pas à me laver le cerveau. Mais si, vous verrez. Et vous le sentirez. Je vais vous reprogrammer pour que vous portiez le chapeau à ma place auprès d'Interpol. Bon, allongez-vous, détendez-vous, pensez à un endroit agréable et restez-y pour toujours. Et je ne pense pas qu'il t'ait vu. Prends des photos et déguerpis. Non. Ok. Je dois aider Carmelita. Elle est en danger. Ah, bon, bah d'accord. Je n'y peux rien pour l'instant. Prends ces photos de reconnaissance et reviens au refuge. Et je te promets qu'on la sortira de là. Voilà, toujours un bon paparazzi. Alors, on va prendre Carmelitus. Non, on va prendre les yeux, alors. Les yeux de Clockwork. On dirait qu'ils sont contrôlés par ce tableau de commande. Non, tu le crois? Pour que je vois comment elle est faite. Ah bah si, il faut prendre Carmelita. Bah alors, tu voulais pas tout à l'heure? Qu'est-ce que... Eh oh. L'inspecteur Fox est enchaîné à une vieille versatile de 50. Cruel, mais efficace. Voilà, celui-là. Et lui, il est différent. Pourquoi? Parce qu'il a un petit chapeau par rapport aux autres. Donc ça fait toute sa différence. Évidemment. Il est plus fort, il est tout ça, quoi. C'est un cérébrouilleur. Je n'en crois pas mes yeux. Ces trucs-là sont un mélange de science et de magie noire. Ah. C'est quoi ce cri, Bentley, là? Et l'ordinateur qui doit être à côté de moi, si je me rappelle bien. Voilà.
Ce vieux terminal doit être relié au système de cette tour. Il faut trouver le moyen de le connecter. Ok, reviens vite au refuge pour qu'on mette au point une stratégie. Yes, j'arrive. Avec la guerre entre la comtesse et Nella, le château est en état d'alerte. Pour mettre la main sur les yeux de Clockwerk, nous allons subtilement tourner ce conflit à notre avantage. Voilà le plan. Murray, tu vas au château et tu kidnappes le chef de la sécurité. Je dois lui poser quelques questions. Entre-temps, Sly et moi allons nous plonger dans le paranormal. Je vais descendre dans les cryptes sous le château et construire une superbe bombe occulto. Elle sera assez puissante pour détruire le cérébrouilleur. Sly, tu captures quelques fantômes et tu les fais rentrer dans le QG de Nella. Si elle a aussi peur que je le pense, cette expérience l'encouragera à engager d'autres mercenaires. Allez, au travail et bonne chance! Alors, si je me rappelle bien, la mission Murray, elle est un peu chiante. Alors, on va la faire, du coup. Sly et Benclay, ça va, c'est sympa. C'est ça. J'arrive plus à parler. C'est sympa. Donc voilà, on va acheter le paraglisseur. Je vous montrerai ce que c'est après. Et on va même... On va pas pouvoir tout acheter, mais on va... Bon, on va prendre ça, tiens. Donc on va faire la mission avec Murray et on fera, si on a le temps, avec Sly et Ben Club plus tard. Donc là il y a les trois là. Oula. Parce que la mission avec Murray elle est chiante je crois. Il est le gars qu'il faut ramener au refuge, il est chiant, enfin. Ça va être génial. Et du coup, faut monter en hauteur je crois du coup. Parce que le gars il est en hauteur. Je ne vois pas où il faut aller. Très bien. Oh j'étais coincé. Cassez-vous. Vite, vite. Attendez, c'est quoi mon nouveau gadget? Cours et saute en portant des objets. Ah, attendez, on va essayer. Hé, hey, qu'est-ce que t'as toi? Viens. Vite, vite, vite. Ok, bon, on testera plus tard parce que là, ça marchait pas. Donc là, c'est pour Sly. Là, c'est pour Benclay. Et Murray, c'est là-bas. Oh, ce niveau il est... En fait, je crois que je l'aime pas trop parce qu'il ressemble trop à l'autre en fait. On est dans le même univers, on est tout ça. Et je crois que c'est à cause de ça que j'aime pas trop. Mais ça complète bien, ça fait un truc dans l'histoire, c'est cool, mais c'est vrai que le niveau... Je tourne en rond là. Je tourne en rond, faut que je trouve un endroit où monter là. Ah mais attendez, il a pas une compétence du dessous maintenant lui? Comment on l'a fait? Merde. Attendez. Non, bon, il a une compétence de saut, mais c'est pas ça encore. Par où il faut que j'aille? Dégage-toi. Hop. Oula, la caméra. Ah, la compétence saut, là elle va marcher. Oh. Bah, connard. Dégage. Attendez, regardez. Je vais réussir cette compétence saut. Elle doit bien servir. Ah, parfait. Oh non, on va tomber. Oh, on a eu chaud. Oh, on a eu chaud encore. Ouf. Allez, vite, cours. Si tu tombes là... Ouais, ok. T'as de la chance. Tu vois le général d'où tu es? Non. Juste un vieil homme en train de monter. Les apparences sont trompeuses. C'est le général... Ah bah oui, il a un chapeau, évidemment. Ça, encore une fois, ça fait toute la différence. Et il est le chef de la sécurité du château. Et s'il veut pas venir, je vais pas le taper. Ne t'inquiète pas pour ça. Il n'a peur que de deux choses. Le feu et l'eau. À part ça, tu n'as pas d'autre moyen de le blesser.
Mais il pourra peut-être nous être utile, comme projectile. Waouh ! Ça promet ! Donc en gros, faut pas qu'on nous tire dessus, il faut pas qu'il tombe dans l'eau. Mais je crois qu'il va faire chier le monde quand je vais le prendre dans les mains. Super ! Maintenant, ramène-le au refuge. J'ai mis un marqueur dans ton binocom. Ok. J'arrive. J'arrive. Alors, là, elle paraît simple, la mission. Mais, vous voyez, le gars, il gueule, en fait. Donc, il appelle les autres gardes à l'aide. Et eux, ils vont vouloir me défoncer. Ah ! Il est où ? Cassez-vous. Non, dans l'eau ! Oh, putain. J'ai cru qu'il était tombé dans l'eau. Oh, putain, là. Oh ! Tiens, va là-bas. Cours ! Oh, dans l'eau ! Ma vie. Eh ouais, j'ai vu trop tard la vie. Non mais bon, c'est pas facile. C'est, vous avez l'impression, mais c'est pas facile. C'est, bon, je rush. C'est peut-être l'erreur, mais laissez-moi tranquille. Ouais ouais, on sait. Tais-toi. Oh putain, on croise pas de garde pour l'instant. Ah, j'ai parlé trop vite. En fait, le problème, c'est que je me faisais niquer avec ces lumières là. Hop, si j'esquive bien les lumières, bah tout va aller pour le mieux, vous voyez. Bon, il y a les tanks là, par contre, ça devient problématique, mais. Oh bah carrément. Bien, général Clawfoot, nous avons des choses à nous dire. Vous ne connaîtriez pas les codes des portes du château par hasard? Vous n'avez plus de langue, hein? Est-ce que ça la délirait? Parle, sale vermine! On voit rien. Ça, j'ai jamais compris. Pourquoi il nous cache la scène? Y a pas de... C'est pas ouf, le mec il lui chatouille quoi les orteils avec une plume? Eh, on a connu plus violent quand même. Bon, alors on est à 20 minutes presque. Ce que je propose, c'est qu'on fasse la mission avec Sly. Et on fera avec Ben Clay, du coup, dans le prochain épisode, je pense. On aura peut-être pas le temps de tout faire aujourd'hui. Ça m'étonnerait. Ou alors, je suis malade et je fais un peu plus de 30 minutes. C'est possible. Mais bon, faut que je fasse le montage directement après là, l'épisode. Parce que bah ça fait longtemps que vous avez pas eu d'épisode, donc je vais essayer de l'envoyer assez rapidement. Donc je vais voir. Je vais voir. Parce que le montage, c'est long. C'est long, donc bon voilà, ça va. Je peux faire des efforts, peut-être. Ok Sly, voici ton nouvel objectif. Rentre en douce et ouvre le cercueil de la Louvresse maléfique. C'est pas gentil. Elle a fait quoi au juste pour mériter ça, la vieille? La Terre à la Lune. Oh la vieille, un peu de respect quand même. Maléfique. Brise son cercueil pour libérer les fantômes qui ont été enfermés là avec elle. Ok, je ne vois pas vraiment l'intérêt, mais j'aime bien l'idée de libérer des fantômes prisonniers. Oh, d'accord, je faisais autre chose à côté, j'ai pas vu. Alors, attendez, on va essayer d'y aller discretos. Mais non, mais c'est pas ça que je te demande de faire, mais il est con, lui. Ça, c'est les voleurs, ça, on peut pas s'empêcher. Ah, j'aimais bien cette mission. Ah oui, j'avais l'impression de jouer à Tomb Raider. Ah, moi, il me faut pas grand-chose, hein. Oh! Ah non! Oh, j'ai failli aller dedans. Attention! D'accord. Bon, j'avais l'impression de jouer à Tomb Raider, mais j'étais nul à Tomb Raider déjà à l'époque, hein, donc bon. Bonjour. Arrêtez, j'ai détruit son cercueil, après on se bat. Oh non! En fait, j'aimais pas. J'aimais bien juste cette phase, en fait. Maintenant, sors et je t'expliquerai la suite du plan. Voilà. Et là, ça va être chiant. J'ai modifié l'imageur de ton binocom pour capturer les fantômes. Mais je viens juste de les libérer. Pourquoi veux-tu que je les recapture? Ne t'en fais pas. Nous ne les retiendrons que très peu de temps. Rassemble tous les fantômes, puis libère-les dans la cheminée du QG de Nella. J'ai pigé.
Elle va croire que c'est une attaque de la comtesse. Exact. Si mes calculs sont exacts, ce qui est toujours le cas, Nella devrait... Oui, bah calme-toi quand même. ...de son armée suite à cet incident. Et tout ce qui est mauvais pour la comtesse est bon pour nous. En plus, Nella va se faire dessus. Ok, donc la façon pour les capturer, ça va être... Oh, vous avez vu, c'est le paraglisseur. Regardez, on va essayer de prendre un peu de hauteur. Je vais vous montrer ça vite fait. Regardez. Et là, je plane. Et là, ça, c'est la liberté dans ce jeu, vraiment. Donc là, en fait, pour les capturer, il faut juste que je les prenne en photo. Donc il y en a 6, je crois, si je dis pas de conneries, si j'ai bien vu. On va voir. Il y en a 9, évidemment. Et voilà, il faut que j'aille tous les... aux 9 fantômes et que j'aille les prendre en photo. C'est le fun, tellement c'est bien. Du coup, on va essayer de prendre en photo déjà ceux-là. Ah ouais, le paraglisseur, c'est génial. Hein. À chaque fois que je fais des sauts, je vais pas pouvoir m'empêcher de le mettre. Hein, parce que c'est la liberté, vraiment. Vite, vite, vite. Oh, ouh. Hop là. En tout cas, ils sont jolis. Hein. Waouh, ils sont bien faits. On va monter. Ok, on glisse. Hop. Bonjour. Là-bas, là-bas, là-bas. Je crois qu'il... Il y en a un, il passe dans un mur à un moment, je crois, non? C'est pas lui? Et toi? Oh! Oh putain, là... Une sorte de statuette, elle m'a sauvé la vie. Attention! C'est comment pour esquiver? Oh, enculé. Ah bah, au moins, faut pas que je refasse tout. Ce que je vais vous proposer, parce que je suis plutôt quelqu'un de sympa... Mais connard, mais laissez-moi tranquille. Mais laisse-moi monter. Mais j'arrive plus. C'est quoi ça? Tiens, dégage. Ce que je vais vous proposer, c'est de le faire en accéléré, en fait. Parce que, bah, comme ça, on pourra peut-être faire la mission avec Ben Clay, du coup. Là, il y en a un là. Et toi? Oh. Bon, allez, accélérons un peu le mouvement. C'est bon, j'ai tous les fantômes. On va mettre de la cheminée, hein, les fantômes qu'on a pris en photo, hein, bon, pourquoi pas. Et voilà, on va lui faire peur. C'est le moment. Ouh, un fantôme mal fait. Elle a toujours les lueurs jaunes, elle, derrière elle. C'est un truc, c'est un truc qu'elle a chez elle. Il est peut-être temps que je renforce mon armée. Quelques bombardiers, ça devrait remettre cette vieille bique à sa place. Oh bah alors, on a peur des fantômes? Bah, faut pas. Bon, j'avais un chronomètre à la base, vu que maintenant je prends des chronomètres pour essayer de faire des vidéos plutôt d'une façon un peu... Voilà, je sais, parce que des fois ça nous arrive de faire une vidéo de 15 minutes et finalement au bout de 15 minutes on faisait rien. Donc voilà, et là j'ai envie de dire, nique ta mère le chronomètre, hein. On va faire la mission avec Ben Clay et puis on s'en fiche du temps que ça va prendre de cette vidéo. C'est pas grave, il y a du montage. Et bah, je prendrai plus de temps en montage, il y a pas de souci. Donc on va faire la mission avec Ben Clay et on va kiffer, ok? Parce que bon, cette mission avec les fantômes, elle était cool, mais 5 minutes quoi.
Oula. Cours, Bentley. Cours aussi vite que tu n'as jamais couru. Je sais pas où faut aller. J'ai déjà 10 bouteilles, quoi. Il m'en manque 20. Ça va être les 20 les plus chiantes à trouver. Je le sens, mais tellement fort. Mais oui! J'étais sûr qu'elle avait un aspiroculto pour récupérer les surplus! Ah, si, ça y est, je me rappelle de cette mission. En fait, elle est chiante. C'est semi-magique qui aspire l'occulto. Je vais récupérer ce qui sort des chauves statues. Waouh, ça a l'air facile. Pas tant que ça. Non, non. Crois-moi, non. Ah oui, pas tant que ça. Bah, tu l'as dit. Ça va être même galère, on peut le dire. L'aspiro, tu es mort. Waouh, ça a l'air dur. Oui. Mais c'est stratégiquement extrêmement stimulant. Je pourrais peut-être utiliser les pièges mortels de ces cryptes contre tous ceux qui voudraient m'empêcher de transporter mon fameux ectoplasme. Non, ça ne marchera pas. Si tu veux avoir les gardes, serre-toi des chauves-têtes avant qu'ils réussissent à s'approcher de moi. Précisément. Et lorsque les quatre cylindres de l'aspiroculto seront pleins, nous aurons collecté assez de magie noire pour détruire le cérébrouilleur. Alors, c'est parti. Donc on appuie rond et on va faire ça. Alors attendez, il faut qu'on teste les pièges. Donc ça c'est ça, d'accord. Ça c'est quoi? Ah bah c'est que ça, d'accord. Ok, je confonds avec le 3 en fait, où il y a des fois plusieurs actions possibles. Là on va attendre un peu. Alors... là c'est facile, mais il y a plusieurs cryptes à faire. Et c'est donc voilà, là c'est pas compliqué. Dépêche-toi. Oh, il est pas mort. Crève. Oh putain. Allez, venez, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Hop là. Donc c'est en les tuant que j'ai plus de trucs dans ma bombe là derrière mon dos. Ou alors c'est en fait un... oh merde, j'ai utilisé trop tôt ça. À un temps genre il faut au bout de 2 minutes 30, le truc est rempli. On le saura jamais, mais je pense que c'est ça. On dirait que la chauve statue est à court d'occulto. C'est pas grave, j'ai déjà rempli un quart de cylindre. Et donc là je crois qu'il va falloir ne pas se faire toucher une seule fois. Ça va être marrant, ça. Je sais pas trop comment utiliser ton ordinateur, mais tu devrais avoir une nouvelle crypte dans ton binocom. Oui, on l'a vu, Ben Murray, désolé. Mais je sais pas du tout par où faut aller. Est-ce qu'on en a une qui est signalée ou il y a les trois autres et je vais à celle que je veux? Attendez, mais elle est où? Oh non, le tank! Oh, cours! Elle est où? Attendez, elle est où cette crypte? Elle est là-haut. Comment je monte là-haut, moi? Cassez-vous! Oh, ça m'énerve qu'il faut monter en hauteur comme ça, c'est le bordel dans ce niveau. C'est pour ça que je déteste. Juste, j'aime pas ce niveau. C'est le bordel. Vite. Cours, ma petite tortue, cours! Hop là, bonjour. Et voilà. Oula, ah là il y a plusieurs pièges, dont comme je parlais tout à l'heure. Alors on va tester. D'accord, donc ça c'est les épées. Ça c'est quoi? Ok, donc ça c'est la même j'imagine de ce côté là, on va voir. Oh, pas du tout. Et ça c'est des flammes si je me rappelle bien. Oh, pas du tout. Oh putain. Allez, viens de battre. Oh là 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 là.
Ils mettent trop de temps à recharger le truc du milieu. Vite, 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 vite. Boum. T'es sûr? Merde, je fais n'importe quoi. Crève. Vite là. Oh, le doublé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est passé à travers. Oh, le connard. C'est pour ça que j'aime pas cette mission, c'est qu'on peut pas se faire toucher une seule fois. J'ai l'impression de jouer à Sly 1. Allez, on la refait. Venez. Désolé, je parle pas. Mais bon, pas grand chose à dire, hein. T'es sûr? Oh merde, le con. Ah non, c'est bon, j'en ai eu un, quoi. La tristesse. C'est un petit peu long. Très bien, je l'ai raté. Oh, c'était pitoyable ce que je viens de faire. Je savais, j'avais vu ma mort, quoi. Ok, bon. Je vous ai un peu passé le début parce que bon, c'est pas intéressant et c'est long. Je joue plutôt bien pour l'instant. Voilà, j'ai pas réussi vu que je parlais pas. Et c'est souvent ça en fait. Souvent, quand j'arrive pas à faire un truc dans une vidéo, c'est parce que je parle. Et du coup, bah, je ferme ma gueule pour jouer un peu en silencieux quoi. Et ça marche plutôt bien parce que bon, je n'ai pas perdu depuis tout à l'heure. Mais bon, vu là que j'ai recommencé à parler, je le sens très mal. Oh, le triplé! C'est la deuxième fois que je le fais. Oh non non. Oh putain, j'ai pas fait exprès d'appuyer sur R2. Mourrez-vous. Dis bien toi. Et voilà. Ah non, en fait, je crois qu'il y a un certain nombre d'ennemis. Ou en fait, je sais pas. Je sais pas. Et quand on sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On ferme sa bouche. Voilà. Allez, la troisième. Je sais pas du tout à combien de temps on est d'épisode. C'est stressant, ça. Regarde le nouveau point de passage dans ton binocom. Il est où? Oh putain, il est là-bas quoi. Hop là. Pardon. Non. Oh, je l'endors pour pas tomber. Hop là. Hop. Ah, il est en bas, donc je peux tomber. Très bien. Et je sais où est le quatrième, et le quatrième, il est pas chiant à y aller. Oh, la caméra, viens, suis-moi. Eh ? Mais quelle pute ! Mais, salut, c'est quoi son problème, là ? La caméra, non, non, je reste là. Finalement, on est plutôt bien en haut. Putain ! Alors, si même la caméra se met contre moi, on n'y est pas, là, on n'a pas fini. Hein. Ouf, cours, 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 cours ! Ah ! Non. Putain. Ah ouais, mais non, mais c'était mort. Encerclé quoi. Super vitesse. J'avais oublié que j'avais ce super gadget. Alors attendez, elle est où la porte? Elle est là. Hop là, parfait. Je suis arrivé là en 10 secondes quoi. Bon, on cherchera pas comment il a eu les mots de passe parce que je crois qu'on l'a pas, on les a pas récupérés. Mais on dira qu'on les a. Tu vois. Oula. Ah, là, il y a des flammes. Bon, ça, c'est quoi? C'est les flammes, justement. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est un gaz, ok. Ah, ça fait que les endormir, c'est nul. Moi, je veux qu'ils meurent. Ça, c'est quoi? Oh, ok, ça, c'est violent. Donc, ça, c'est pareil de ce côté-là. Donc, on va le faire. Allez, viens, toi, le deuxième. Et voilà. Ah, par contre, ils se mettent... Ah, d'accord, c'est plus compliqué. Parce qu'ils sont moins rapides à se recharger, les trucs. Là, par exemple, vous allez tous brûler. Oh! J'étais bloqué! Eh, j'ai trouvé une technique. Je cours. Ils m'auront pas. En fait, le truc au centre, je vais pas l'activer tout de suite. Je vais le garder où vraiment j'aurai des putains de soucis. Et il faudra que je l'active.
Parce que ça les one-shot. Ah non, ça les endort, ça les tue même pas, c'est vrai, j'avais oublié. Bon bah je verrai alors quand je les utiliserai. Mais bon, je vais tourner comme ça. Alors du coup, ça enlève tout gameplay. Bah, c'est vrai. Ah non, je peux plus tourner. Ah. Ah, faites dodo. Cours la bombe. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Wow. Active ça. Oh, salut. Allez, venez. Salut. Faut que je reprenne la santé là. Ça va me permettre de courir. Oh putain, j'ai eu chaud. Allez, venez. Brûlez. Ouais. C'est ok pour cette pièce. Il ne me reste plus qu'une crypte à visiter. Alors on va passer par là, je crois qu'on peut. Oui. Hop. Et voilà. Bon, celle-là c'était la plus simple à aller chercher. Ah, quoique celle avant aussi, mais celle-là est encore plus simple. C'est l'heure d'en finir. Alors ça c'est quoi? D'accord, très bien. Donc ça c'est pour mettre le feu là. Oh, ça one-shot tout le monde, très bien. Hop. Je mets les trucs au pif. Là, il y en a trop. Ah d'accord, le truc bleu, il est pas très souvent là. Putain. Mourez. Il y en avait trop là. Oh, ouf, j'ai failli me faire niquer. Oh putain, concentration maximale. Et je suis mort. Je me suis tué. Je suis pas mort à cause de. Je suis mort à cause de moi. Parce que je suis trop con. Ok, on va essayer de la faire bien cette fois. On va essayer de la faire doucement, tranquillement. Hop, voilà, on va faire des petits allers-retours comme ça, tranquille. Entre les différents pièges. Et puis comme les loups sont très cons ou les chiens, je sais pas trop ce que c'est. Et bah ils font toujours la même chose. Et du coup, on gagne tranquillement. Il commence à en avoir un tout petit peu plus de façon beaucoup plus rapide, mais ça ne nous empêche pas de gagner avec la même technique depuis tout à l'heure. Hop, j'ai failli rater celui à gauche, mais j'y suis arrivé tranquillement, voilà, comme ça. Voilà, tranquille, on se détend sur ce let's play. Je trouve qu'on se détend pas assez, un peu moins d'insultes, un peu moins de défaites, voilà, en mode détente comme ça. Et il est passé lui. Non, retourne dans l'eau, voilà comme ça. Et là ça devient n'importe quoi parce que j'ai perdu le fil. On recommence. Allez, c'est parti. Hop là. T'as failli m'avoir. Hop, voilà, comme ça, on détente. On continue tranquille. Et voilà. Je pense que je vais faire des épisodes beaucoup plus détente la prochaine fois. Ça marche. Mais ça marche trop bien. Ouf. Tout ce que tu veux, tous les adjectifs que tu veux. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ouais. Bon, bah écoutez, on va se finir sur cet épisode-là. Je vous laisse avec le briefing. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Salut tout le monde. Ciao. Ok les amis, remettons-nous au travail. Nos efforts pour attiser la haine entre Nella et la comtesse ont enfin payé. Mais il reste quelques points à régler avant de passer à l'offensive. Sly, tu vas subtiliser un modulateur vocal dans le château et tu le poseras sous le QG de Nella. Si tout se passe comme prévu, nous devrions pouvoir donner des ordres aux mercenaires sans nous faire repérer. Le gros problème, c'est que les mercenaires sont tellement emballés par le nouveau bombardier qu'ils pourraient bien attaquer avant que nous ne soyons prêts. Ce qui m'amène à Murray. Il faudrait que tu t'empares d'un des tanks de la comtesse et que tu fonces sur les mercenaires. Juste histoire de les provoquer un peu. Moi, de mon côté, je retournerai dans les cryptes pour activer le vieil ordinateur de la tour de rééducation. On en aura besoin pour sauver Carmelita. Ah oui, Sly.
Si tu n'as pas de paraglisseur, tu dois en acheter un pour le cambriolage. Ok, c'est parti.